C'est cool ici, hein? C'est dément. Bon, les gars, j'ai trouvé la liste des travaux qu'il faut faire. Alors, il faut balayer le jardin, nettoyer les gouttières, repeindre les volets et passer du bon deck sur les cabanes. Non, mais mec, attends, elle a cru qu'on bossait pour elle ou quoi, la patronne de ta mère? Les cabanes, elle peut s'asseoir dessus. Tiens. C'est sûrement maman. Va répondre, s'il te plaît. Ah non, non, tu fais chier, c'est toi qui vas répondre. Hé, Thomas, tu la vois, celle-là? Bah, viens. Viens, tu me fais pas peur. Fais-moi une taf, s'il te plaît. Non, non, je veux pas d'embrouille avec le patron, moi. Mais le patron de mon cul, c'est bon, tranquille. Je passe en troisième. Oh, mais c'est des poils! Oui, oui, oui. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je le tiens bien en main. Ok? Ouais. Bon, c'était maman et ton abruti de père, là. Bon, les gars, j'ai bien réfléchi. Je pense qu'on en a pour 3-4 jours de taf au maximum, avec les gouttières. Enfin, si on commence par les gouttières. Et puis après, on se la coule douce, quoi. Tranquille, non? Ouais, j'avais une autre idée. On peut se la couler douce tout de suite et puis on taffe après. Hein, Tom? J'aimerais trop savoir faire du bateau. Non, mais vous êtes sérieux, les gars? On avait dit qu'on faisait ça en arrivant. On a surtout dit qu'on allait se la couler. Relax. Allez! Debout! Oh, putain. Allez, debout, les gars, il fait super beau! Oh, t'es relou! Oh, tu fais chier! Salut les jeunes! Elle est pas là, Jacqueline? Non, elle est pas là! C'est une amie de ma mère, elle nous prête sa maison. Ah bon? Bah elle aurait pu me prévenir. Vous allez pas foutre le bordel au moins, non? Vous êtes là pendant combien de temps encore? Jusqu'à la rentrée. On a promis de nettoyer les jardins à fond, alors si on veut que ça soit fait, faut qu'on s'y mette, quoi. Mais il fait trop beau, je veux aller à la mer, moi. Il faut faire gaffe, hein, petit, parce que l'océan ici, il est mauvais, hein, surtout à la marée descendante. Il y a pas plus tard qu'hier, ils ont ramassé un type qui s'est noyé. Hein. Et c'était qui, le type? Ils savent pas encore. Pas un touriste qui a dû se faire pendre par le courant. T'imagines, on aurait pu le trouver nous-mêmes, Greg. On va à la plage, les gars. Hey, on avait dit qu'on bossait aujourd'hui. Ok? Et dis-moi, t'aurais pas une petite clope pour moi? Ouais. Ah, c'est gentil. Faut profiter, ils ont raison, tes copains. Allez, vous baignez, va. La broussaille, elle va pas bouger. Allez, commence, viens. Putain, Greg, il faut que tu m'expliques le délire, là. Sérieux, même la plage, elle est déserte. Tu crois que je suis venu ici pour jouer au ping-pong? J'ai une table chez moi. Hein. Oh, arrête, hein. C'était marrant, le ping-pong, non? Mais putain, il faut qu'on nique un peu, là, mec. Je te jure, je suis chaud, moi. Tu me mets une meuf, je la chope, je la prends comme ça. Ouais? Tu la prendrais comment? Hein, ah, tu la prendrais comment? Lâche-moi, lâche-moi. Vas-y, ce soir, chasse aux meufs.
parce que... Tu sais, je suis avec des potes, on a une villa dans le coin et je m'étais dit, en fait, je pensais peut-être que vous pouvez venir avec tes copines, tu vois. Bah, c'est sympa, mais là, je passe la soirée avec elle, donc... Ok. Casanova. Ouais, ouais. Mate le frangin. J'adore venir. Surtout pour la musique. D'accord. Ce matin, mais je lui ai laissé mon MSN, elle a promis qu'on chatterait. Ouais, t'es un malin, toi. Hein. C'était bien? Ah, c'était incroyable. Ouais. Tu lui as léché la chatte un peu? Ah non. Putain, mais fallait y aller, mec! Les meufs kiffent quand on leur bouffe la chatte! Le nul. Moi, je suis sûr qu'il a même pas trouvé son clito. C'est pas vrai, elle m'a dit que c'était super. Foulu la paix, Greg. Ah ouais? C'était tellement super qu'elle s'est barrée à la première heure ce matin, quoi. T'as vraiment rien compris, toi. Petite pite. Ton frangin, moi, il a trempé son biscuit. Et ça, c'est déjà pas mal. Et toi, ta gueule, ok? En plus, là, t'en fous partout avec ton pinceau. Mais calme-toi, ce vieux, y'a pas marqué peintre en bâtiment. Tu fais chier. Non, toi, tu fais chier, putain. Tu passes ton temps à râler, y'a que les travaux qui t'intéressent. Mais la vérité, c'est que t'as peur de te faire engueuler par ta mère. Eh, parle pas de ma mère, ok? Eh, tu te calmes tout de suite, sinon je me barre d'ici, moi. Hein. Mais vas-y, mais barre-toi, c'est ça, dégage! Déjà qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, je dois repasser derrière vous. Tu sais rien faire, t'es un bon à rien. Même un café, tu sais pas faire. Puis toi, ça le branleur, là. Quand je pense que c'est moi qui ai dit à maman que tu pouvais venir. Putain, je m'en mords les doigts, je te jure. On y va, j'ai pas envie de taper les embouteillages sur Bordeaux. Qu'est-ce que tu regardes là? Tu veux ma photo? Fais gaffe à mes sièges en cuir. Tu vas prendre. Ouais, bon, tu montes ou pas? Et toi, t'es pas barré? Si, connard, tu parles à mon avatar. Oh, allez. Mais t'es sûr que ça risque rien? C'est quoi encore ce plan foireux? Oh, que de la gueule, allez! On est chez qui, là? On est chez nous. Et on fout le jawa!
patron. Commandement à partir d'aujourd'hui. Interdiction de travailler. Interdiction de faire chier et de se lever avant 14h. Interdiction de pas faire de conneries. Interdiction de recevoir des ordres. Interdiction de se prendre la tête. Interdiction qu'ils nous arrêtent. Ah, les gars, putain. La mer, vu d'ici, tu crois que c'est vachement calme et tout, paisible. Mais c'est pas vrai. Il y a vachement de force, en fait. Et toute la puissance, elle est à l'intérieur. C'est ça qui est fou, en fait. Ça. Attends, chut, chut. On entend les crabes qui parlent, mec. Putain, t'as vu ça? Bon, en fait, t'as raison. Il y a vachement de trucs qui bougent dans le sable et tout. Ouais. Mais mec, il y a un type dans la cabane. Elle est vide, la cabane, à cette heure-ci, du con. Vide. Mais non, non, okay. C'est le fantôme du mec qui s'est noyé, là. Crabman. Mais non, mais je vous jure, putain, y a un type dans la cabane. C'est pas genre le mec qui s'occupe des huîtres, là. C'est genre un mec qui a pas envie de se faire voir. Il est totalement parano. Attends. Hé, hey, Crabman, tu veux fumer? Hé, hey, mec, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Tranquille, t'inquiète, on est comme toi. Hé, hey, venez, j'avais raison. Mais lâche-moi. Crabman, tu veux un gâteau? Tu veux fumer? Là, c'est mon pote Greg, et là, c'est Thomas, son petit frère. Mais tu peux l'appeler Petite Bite. Moi, c'est Hadj. Et t'es ici en vacances? T'es en cavale? Non, je sais. C'est un serial killer et il va tous nous défoncer. Non. C'est un alien et il peut coller à sauver le monde. Non, moi je sais. T'es un fugueur. T'as une tête de fugueur. Tu fugues? Ça y est, les gars, il est réveillé! Oh, ce que t'as dormi! Tu vas voir, ici c'est super. Oh, la balafre! T'es sûr tu veux pas te mettre un peu au soleil? Non, ça va, merci. On pourrait faire un ping-pong. Tu sais jouer? Au pire, on peut t'apprendre, hein, c'est pas compliqué. Tout à l'heure. Ok. Pourquoi tu t'es barré de chez toi? J'en pouvais plus de mes vieux. Ils s'engueulaient tout le temps et c'était l'enfer à la maison. T'inquiète, je sais ce que c'est. Hein. Tu peux rester autant que tu veux. Bon les gars, on va acheter des merguez. Et j'ai repéré une villa sympa sur la pointe. Tu viens? Je suis un peu fatigué, je peux rester là. Ouais, ok. Thank you.
Regarde ce qu'on t'a trouvé, on va se faire des putains de virées. Mais j'ai besoin de rien, moi, vous l'avez volé. C'est qui? C'est mon pote. Tout le monde. Allez, get down, get down, mon pote. J'allais vous calmer, oui. Il est 1h du matin, là. Merde. Allez. Tu parles d'un bordel. C'est quoi, là, tous ces trucs-là? Bah, c'est chez nous, on fait ce qu'on veut. Ça fait partie des travaux qu'on doit faire. On vide la cave. Bah, dis donc, elle en a des machins, Jacqueline, hein? C'est quoi? Tiens. Oh. C'est interdit à la maison, là. Moi aussi, à votre âge, j'aimais bien faire la fête. C'est ma femme qui râle pour le bruit, mais je... C'est pas un petit whisky pour moi? Ah, vous avez la belle vie, hein? C'est bien. Mais croyez-moi, un matin, on se réveille et puis c'est fini. Hein. Et le Maccabée de la plage, ils ont trouvé qui c'est? Pas dans le journal, ils disent que c'est un clandestin du Maroc. Un quoi? Ah, un pauvre diable, quoi. Un sans-papier. Alors, les gendarmes pensent qu'il y en a d'autres qui se planquent sur la presqu'île à cause des villas secondaires qui ont été visitées. Et mine de rien, ils n'ont pris aucun objet de valeur. Bon. J'y vais parce que ma femme a commencé à se demander ce que je fabrique, là. Hein? Allez, bonne nuit. Et mollo sur la musique, hein? Hein? Bonne nuit. Putain, il est où, Hadj? Pile au moment où le poisson se ramène pour râler, lui, il se barre. À cause de ces conneries, là, on a failli se faire choper. N'importe quoi, t'as pas entendu ce qu'il a dit, le voisin? Il cherche des Marocains. C'est bon, on a aucune chance de se faire choper. J'en étais sûr. Arrête. David, Thomas. Arrête, tu me fais mal. Rien. Y'a que ce mec qui voulait piquer notre cul. Je le crois pas. Non, ouvre le placard, vite. Mais laissez-moi t'expliquer, je veux juste rentrer chez moi. Arrête. D'accord, on va s'occuper de toi. Arrête. Je te jure, tu vas regretter d'être né. Hey, vous m'avez vraiment pris pour un con, hein. Ça sert à quoi d'être sympa, hein? Puis ne mentez pas, j'ai appelé Jacqueline. Je l'ai réveillée, la pauvre. N'a jamais été question de vider sa cave. Elle est vide, sa cave. Alors elle m'a dit qu'elle allait appeler vos parents. Alors à votre place, je mettrai un petit peu d'ordre dans tout ce merdier là avant qu'ils arrivent. Vous êtes vraiment un sale traître en fait. Ah, parce que c'est moi le traître? Ouais. Non mais vous avez vraiment rien dans le cigare, ma parole. J'ai jamais balancé personne aux flics. Hein. Alors ne m'y forcez pas, bande de petits branleurs. Bah. Allez, viens, Comanche. Putain, on est dans la merde. Pourquoi je vous ai écouté? Pourquoi je vous ai écouté? Putain, tout ça c'est de votre faute là! Et de la faute de ce connard de Bougnoul aussi! Oh merde! Merde! Oh, putain! Oh, putain. Bon, vous avez commencé par m'écouter, ok? Les choses elles vont changer ici. Moi j'appelle les flics, je leur dis que on a trouvé le mec qui a cambriolé le villa, hein? Et comme ça on résout tous nos problèmes d'un coup et après. Mais toi, ta gueule! Putain, ta gueule! Ta gueule! Hein? Ta gueule! Et s'il dit qu'on a volé des trucs aussi? Putain! Mais on est trois! Il est tout seul! Tu réfléchis parfois, c'est un clandestin! Un Marocain! Ils vont le boucler direct! Oh putain, mais qui c'est que tu t'abrutis pareil? C'est pas possible! C'est pas possible! C'est un malentendu! Écoutez-moi! Mais qu'est-ce que vous foutez encore là? Allez, on se bouge le cul là! Allez! Thomas! J'en veux pas de l'argent! Laisse-moi sortir, d'accord? Non. La police
essayé de m'arrêter au lycée devant tout le monde. Ils m'ont envoyé à Casablanca direct. Eh, vite, il y a des trucs dans les chambres aussi. Et à l'arrière, viens, viens. Mon oncle a réussi à nous faire passer au Portugal. De là, on a pris un bateau et j'ai pas compris, une nuit, on a chaviré. Si ça se trouve, le type qui est mort, c'est mon oncle. Putain, mais t'es encore là, toi? Mais qu'est-ce que tu fous là? T'es encore en train d'écouter ces conneries? Tu vois pas qu'il essaie de t'embobiner, microbe? Mais tu comprends vraiment rien! Et tu m'appelles pas comme ça, ok? Mais calme-toi, Greg, putain, tu fais quoi là? Ça va beaucoup trop vite! Mais t'es malade! Il a peut-être raison, Tom! Qu'est-ce que tu proposes? Appeler ta mère? Maman, maman, tu crois que je t'ai pas vu? Ta gueule, putain! Tu me dégoûtes là! C'est quoi, plus tu vieillis, plus tu ressembles à la tienne, de connasse de mère? Ouais. Mais elle est où ta mère maintenant? Elle est où ta mère? Elle est où? Lâche-moi, putain! Mais t'es complètement con! Je veux juste rentrer chez moi, chez ma sœur, à Nantes. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Bonjour. Je voudrais parler au jeune homme qui nous a appelés. C'est moi. C'est quoi cette histoire? Vous avez arrêté un cambrioleur? Oui, monsieur. Bon, et il est où? Devant vous, monsieur. C'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que je vais dire à madame de Cagny? Hein? Et à ton beau-père? Tu as pensé à ça? Mais est-ce que tu te rends compte de la situation dans laquelle tu me mets? Oh! Bonjour, monsieur. C'est mon fils. Je vous jure qu'il est bien élevé. Je sais pas ce que j'ai raté. Il est complètement responsable. Il est où, Thomas? Hein? Tu vas me répondre, il est où, Thomas? Tu vas me répondre? Je te préviens s'il lui est arrivé quelque chose. Madame, c'est pas de sa faute, il a rien fait de mal. Gars. Alors toi, j'ai jamais pu te voir en peinture, d'accord? Arrête. Je te préviens, profite bien tant qu'on est encore ici, parce que dès qu'on rentre à la maison... Hein? Et tu baisses les yeux, sale gamin! Je suis plus un gamin, ok? Tiens, allez, dépêche-toi!